Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de TV Vallée. Nous allons vous présenter les animaux de la vallée de la Orne. Et on commence par la star du jour, le castor. Un reportage de Matteo et Elena. Je suis le castor. Je suis le plus gros rongeur d'Europe. Je pèse environ 25 kg pour 1m30. Je peux vivre de 12 à 17 ans dans les rivières à faible courant. Je me nourris d'écorces d'arbres verts, de plantes qui poussent près de la rivière. Notre période de reproduction est en février et nos petits naissent en juin. Quel remue-ménage dans la hutte! Savez-vous que le castor vit dans la vallée de la Orne en face de notre école? On a pu observer son environnement et installer des capteurs pour l'observer. Les castors se sont installés en 2013. Il est une espèce parapluie. Cela signifie qu'il est protégé et grâce à lui, d'autres espèces sont protégées. Les envoyés spéciaux Noah, Matteo et Nathaël sont allés interroger les habitants de la vallée de la Orne sur la présence du castor. Que pensez-vous de la présence du castor dans la vallée de la Orne? La présence du castor dans la vallée de la Orne, je trouve que c'est très bien qu'il a été réintroduit. Et en plus que c'est une espèce, d'après ce que j'ai compris, protégée. Eh bien, je pense que c'est bien qu'il soit de nouveau de retour dans nos vallées, parce qu'il était déjà là, peut-être même avant nous. Ça fait 8 mois que je suis là, donc je ne savais même pas qu'il y avait des castors. Mais je pense que c'est tout naturel qu'il soit présent dans la nature, quoi. Donc c'est très bien qu'il soit là, et je pense qu'il fait aussi du bien à l'environnement. Écoute, moi je trouve ça très bien, pour le côté écologique, c'est super. J'en ai jamais vu un, mais je serais très surpris d'en voir un parce qu'il paraît qu'il est très grand. Auriez-vous une solution pour que le castor cohabite avec les hommes? Que les hommes ils arrêtent d'abattre les arbres et c'est les castors qui doivent couper les arbres eux-mêmes. Déjà, il faut lui laisser la nature à disposition et de ne pas trop le déranger. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut le laisser dans son univers, pas trop le déranger, et je pense que ça devrait aller. Peut-être le respect de l'environnement déjà. On va peut-être plus apprendre de lui que lui de nous. Comme on a pu l'entendre, la majorité des gens sont plutôt pour la présence du castor sur la Orne. D'autres ne savaient même pas qu'il vit ici. Par contre, les solutions qui permettent une bonne cohabitation entre le castor et les hommes sont moins connues. Preuve qu'il faut faire connaître le mode de vie du castor et son importance au plus grand nombre. Le saviez-vous, le castor a été braconné au Moyen-Âge pour sa peau, sa viande, ses dents et son castorium pour la création de parfums. Le castor et son habitat ont fait l'objet d'une mesure de protection dès le début du XXe siècle. L'espèce a été réintroduite peu de temps après. Mais comment sait-on s'il y a des castors chez nous? Une enquête de Amélie, Eva, Alissa, Anastasia et Joséphine. Comment voit-on que le castor est passé par là? Tout d'abord, nous trouvons des traces sur les arbres. Il taille les arbres avec ses dents. Une coulée est présente au bord de la rivière pour que le castor puisse aller dans l'eau. Il y a une hutte dans la rivière qui a été construite par le castor. Nous pouvons aussi trouver des barrages qui permettent de garder l'entrée de la hutte sous l'eau. Près de l'entrée, on trouve une réserve de nourriture, comme des petites branches qui seront écorcées par le castor. Parfois, on repère le castor à l'odeur. Il va déposer sur un tas de boue une odeur forte pour marquer son territoire. Finalement, même si on ne le voit pas, le castor laisse beaucoup d'indices. Après avoir vu les indices laissés par le castor, Ezio, Thibaut, Melinda, Louis et Liana ont enquêté sur son milieu de vie. D'ailleurs, notre collègue Nathalie a construit une maquette pour comprendre son environnement. Le castor vit dans des zones humides. Il préfère les eaux calmes des rivières. Dans la vallée de la Orne, plusieurs couples de castors se sont installés. Le castor vit dans une hutte qu'il a fabriquée avec des branches, de la boue et des feuilles.
L'entrée de la hutte est sous l'eau pour le protéger. Ma maquette représente l'environnement du castor avec la hutte, son environnement sous-marin, les animaux qui cohabitent avec lui. De ce côté, j'ai mis des photos de castor, de ses membres, de la cohabitation, des poissons qui cohabitent avec lui. De l'autre côté, j'ai mis sa légende. Est-ce que le castor peut respirer sous l'eau? Il ne peut pas respirer sous l'eau, mais il peut rester 5 minutes en apnée. Où installe-t-il sa hutte? Le castor installe sa hutte soit au milieu des lacs ou en bord de rivière. Pourquoi le castor fait des barrages? Il fait des barrages pour agrandir son territoire parce qu'il se déplace souvent sous l'eau. Aujourd'hui, dans le pays de Beach, on estime qu'il y a une 60aine de castors. Le castor s'est adapté à son environnement. Il s'en sert pour ses besoins vitaux comme se nourrir, se loger. Son corps est véritablement taillé pour son mode de vie. Un reportage de Ludivine, Evie, Julie et Esteban. Le castor est reconnaissable grâce à plusieurs particularités. Il a les mailles, des dents oranges, une tête ovale et son nez, ses oreilles et ses yeux sont sur la même ligne, lui permettant de garder tous ses sens en éveil lorsqu'il est dans l'eau. Sa queue plate est la plus reconnaissable. Elle est dure et faite d'écailles. Elle lui sert de gouvernail et permet d'alerter d'un danger ses congénères en la tapant fortement à la surface de l'eau. Le castor partage son environnement avec beaucoup d'autres espèces. En voici quelques-unes que vous présentent Gaïa, Constance, Léane, Heather, Romane, Elena, Sophia, Lana, Nicolas, Louis et Louane. Je suis le Raldo. Ma taille est de 23 à 26 cm et je pèse entre 85 et 135 grammes. Je vis caché au sein des roselières et des marais touffus. Je me montre rarement, mais on m'entend souvent. Je fais le bruit identique à celui du cochon. Je mange des vers, des petits poissons, des écrevisses et des végétaux. Je suis une cigogne aux planches et je suis un oiseau migrateur. Tous les automnes, je quitte le village pour rejoindre mes quartiers d'hiver au Maroc. Au printemps, quand je retourne mon nid à Valtouze, j'aime claquer du bec et tous les enfants du village m'entendent. Je suis le rat des moissons. Je mesure entre 55 et 75 mm et je pèse moins de 11 grammes, ce qui fait de moi le plus petit rongeur d'Europe. C'est pour ça qu'on nous appelle parfois souris naines. Je peux vivre 4 à 5 ans dans des zones d'herbes hautes, les champs de céréales, les haies, les friches et les ronciers. Je suis de Ronaru. Je mesure entre 58 et 90 cm de long sans la queue. Mon endroit idéal pour vivre est dans les forêts. Je mange des plats variés. Je raffole des rongeurs, des oiseaux, des lapins, des mulots et des poules. Comme je suis très intelligent, vous avez du mal à me trouver, car je suis discrète et chasse surtout la nuit. Je suis le canard colvert. Je ne suis pas difficile. Je vis partout où il y a de l'eau, les lacs, les étangs, les marais. En période nuptiale, la tête du mâle est de couleur vert bouteille. Qu'est-ce que c'est beau! En dehors de cette période, il ressemble aux femelles. On dit alors qu'il est en plumage. Je suis la grenouille verte. Je suis un amphibien. Au mois de mai, dans les étangs, on trouve beaucoup de mes petits têtards. Je peux pondre jusqu'à 10 000 œufs. Il faut 3 ou 4 mois pour que mes têtards se métamorphosent en grenouille. Moi aussi, je suis une grenouille. Je suis la grenouille rousse.
Ma couleur varie entre le brun et le rouge. Je suis l'une des espèces d'amphibiens d'Europe les plus répandues. Et je peux même vivre en haute altitude. Maintenant que vous connaissez presque tout sur le castor, les espèces qui vivent avec lui, nous donnons la parole aux premiers concernés du village pour connaître leurs opinions. Reportage de Mathilde, Gwendal et Dylan. Je suis une agricultrice. Ma ferme se situe dans la vallée de la Horne. Je rencontre des problèmes avec ce fichu castor. Je suis le président de l'association des naturalistes et je défends le castor. Et je souhaite qu'il habite dans la rivière de la Horne. Je suis le maire du village de Valtouze. L'une de mes missions est d'éviter les conflits entre les villageois. Le castor mange et grignote mon maïs. Les champs sont inondés et ne sont plus cultivables. Je veux qu'il s'en aille. Vous pourriez mettre des clôtures autour des champs pour limiter les dégradations du castor. Nous pouvons aussi installer un siphon pour permettre à l'eau de s'écouler plus facilement. Et avec l'argent, je peux savoir... Non, je veux détruire le barrage pour qu'il s'en aille. Détruire un barrage est interdit par la loi. La personne qui casse un barrage risque une amende et même la prison. Je peux aider financièrement à payer les structures comme les siphons, les manchons de protection pour protéger les arbres et les clôtures électriques. Dans ces conditions, peut-être que je peux essayer. Mais s'il continue, va falloir le faire s'en aller. Ça marchera, vous verrez. Je souhaite sincèrement que les castors et les habitants du village cohabitent en harmonie. Reste concentré, c'est la fin! Hein? Ah oui, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et bonne journée sur TV Vallée. C'est la fin. Merci d'avoir Ok. Peut-être que je veux bien essayer. Okay. Allez, 3, 4, c'est parti. Le castor ? Non, je l'ai pas vu. Non mais vous êtes sérieux ? Le castor, il y en a toujours que pour lui. Alors moi je l'ai croisé mais j'ai promis de rien dire. Vous savez, c'est un ami. Il paraît qu'il sort surtout la nuit mais je ne vous ai rien dit. On a fini. On a fini.